So dear colleagues, dear architects, dear guests, it's a great pleasure to speak to you today. I asked myself a couple of weeks ago what would be an appropriate topic for this lecture, a presentation of my latest research or of what I would consider to be my most important publication, a selection of my oeuvre as a practitioner, the relationship between architecture, urbanism and globalization, which is the title of the master program we set up. Well, my situation in Luxembourg is quite particular, as I'm here at the University of Luxembourg, together with my team, of course, the only architect. Architecture as an educational discipline doesn't exist yet in this country. And I would like to know how many architects are here today? Okay, so it's half, about half of the audience. So I'm very happy to have you both here, the architects and also the non-professionals who are interested in our discipline. As there's this hybrid constellation of the audience, I would like to talk about the very essence of architecture today. And I will now switch to French. La question que je veux alors aborder aujourd'hui est celle de l'essence même de l'architecture. Donc, qu'est-ce que l'architecture? Poser cette question me permet à la fois de vous donner quelques définitions possibles de ma discipline, mais aussi de vous décrire ma posture en tant qu'architecte et en tant qu'enseignant, et de vous indiquer les impulsions que nous voulons donner à cet enseignement d'architecture, et en tout cas la posture que nous aimerions bien voir développer auprès de nos étudiants. Est-ce que ceci est de l'architecture? Selon quelques protagonistes baroques, bien sûr, ce serait de l'architecture. Moi, je serais plus sceptique. Est-ce que ceci est de l'architecture? Aussi, selon la théorie moderniste, et surtout au niveau de son projet d'industrialiser l'architecture, ça serait de l'architecture. Mais là aussi, je serais plutôt sceptique. Et est-ce que ceci est de l'architecture? Alors, pour quelques théoriciens postmodernes, ça serait clairement de l'architecture. Et là aussi, je serai plus sceptique. Et je vais revenir plus tard à ces exemples. Pour me rapprocher de ce que serait l'architecture, je vous propose dans un premier temps un panorama historique de la réflexion sur l'architecture. Dans un deuxième temps, nous allons essayer de trouver une réponse à la deuxième question de ma conférence, à quoi sert l'architecture? Ce que je vais vous raconter n'est bien évidemment qu'un tout petit extrait des écrits sur l'architecture et surtout fortement orienté. Toute théorie architecturale, au moins jusqu'au mouvement moderne, renvoie à la première théorie de l'architecture qui nous soit parvenue, une espèce d'archétype théorique, le livre d'architecture d'un certain Vitruve, Vitruvius, qu'il a dédicacé à l'empereur romain Auguste autour de l'an 30 avant Jésus-Christ. Vitruve était un architecte qui construit des machines de siège, de l'Agerungsmaschine, et des ponts pour Jules César, ainsi que des réseaux d'eau pour Auguste. Pour Vitruve, l'architecture se situe entre la science, l'art et l'artisanat. Une formule qui est sans doute encore valable aujourd'hui et qui s'oppose à cette curieuse distinction assez populaire entre ceux qui font de l'architecture et ceux qui réfléchissent sur l'architecture, entre les praticiens et les théoriciens. Pour Vitruve, un architecte qui a seulement des connaissances artisanales ne peut pas produire de beaux bâtiments au même titre qu'un architecte qui a seulement des connaissances scientifiques. De plus, un architecte doit être, je cite, « talentueux, car ni le talent sans science, ni la science sans talent peut créer un architecte complet. Par ailleurs, il doit être un virtuose stylistique, maîtriser le dessin, être formé en géométrie, en optique, en arithmétique, en histoire, en philosophie, en acoustique, en médecine, en sciences juridiques et en astrologie. » Et je vous avoue que mes connaissances médicales et astrologiques sont assez réduites. Il est intéressant de voir que Vitruve trace l'idéal de l'architecte comme quelqu'un que nous décririons aujourd'hui étant résolument interdisciplinaire, en tout cas un acteur qui est dans la mesure de communiquer avec les disciplines connexes qui ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque discipline connexe à l'architecture pour Vitruve, mais juste montrer comment il justifie la nécessité pour un architecte d'être formé dans deux autres disciplines. Voilà. Premièrement, la philosophie.
Je cite à nouveau Vitruve. La philosophie achève l'architecte dans sa posture pour qu'il ne soit pas prétentieux, mais davantage agréable, bon marché et consciencieux, sans avarice, ce qui est essentiel car aucune œuvre peut prospérer sans bonne conscience. Aussi, il ne devrait pas être avide et ne viser que des commandes, mais avoir du tact et garder sa dignité. Et c'est cette posture-là que nous prescrit la philosophie. Ce passage de Vitruve est assez ambigu parce que lui-même écrit les 10 livres pour être écoutés par Auguste et donc, bien évidemment, finalement, pour avoir de l'empereur des commandes en tant que praticien. Pareil pour Perrault, vous voyez ici, qui a fait cette traduction au XVIIe siècle à laquelle nous faisons référence. Et qu'est-ce qu'on voit au fond? On voit bien évidemment son projet pour la façade orientale du Louvre et donc lui aussi, il fait bien évidemment par ce tableau la publicité pour lui en tant qu'architecte. Cette ambiguïté fait ressortir un des grands défis des architectes, accéder à la commande pour construire des édifices, parce que c'est notre objectif ultime, construire, mais garder notre dignité, ou on dirait aujourd'hui intégrité, et ne pas être ce que Philip Johnson, historien, théoricien et architecte postmoderne, dira dans les années 80, « The one who hires me, buys me, I am a whore, I would even build for the devil himself. » Deuxièmement, regardons pourquoi Vitruve exige une formation en médecine. Je cite, « L'architecte doit maîtriser la science de la médecine pour comprendre les particularités d'un paysage, ce que les Grecs appellent climat pour savoir si un lieu est sain ou malsain en termes d'air et d'eau pour y installer une agglomération. » Vitruve insiste déjà sur la dimension environnementale de l'architecture et il poursuit ses réflexions sur la composition morphologique des villes qui doivent suivre les logiques climatiques d'un lieu. Il est important de constater que pour Vitruve, il n'y a pas architecture sans climat ni sans ville. Finalement, Vitruve, dans sa fameuse trilogie architecturale qui définit l'architecture elle-même, il y a architecture, s'il y a firmitas, utilitas et venostas. On traduirait firmitas par solidité, utilitas par utilité et venostas par beauté. Autrement dit, on parle d'architecture si ça tient, si c'est utile et si c'est beau. Je voudrais aujourd'hui exploiter principalement la deuxième notion, celle de l'utilitas, de savoir quand est-ce que l'architecture est utile. Une notion qui est également centrale dans les 10 livres d'architecture. Pour Vitruve, l'utilitas, c'est, je cite, « la disposition économe et précise des espaces et des matériaux ». La disposition économe et précise des espaces et des matériaux. Ainsi qu'une sélection de matériaux sans avarice. Cette deuxième remarque est importante car l'architecte, à l'époque romaine, comme aujourd'hui, est payé sur le montant des travaux. Plus le montant des travaux est élevé, plus ses honoraires seront élevés. On retient alors de Vitruve sa fameuse trilogie architecturale, Firmitas, Utilitas et Venostas, avec un accent sur l'utilité qui lie à l'économie du projet. La prochaine étape importante de la réflexion sur l'architecture vient avec Léon Battista Alberti, un des grands humanistes du Quattrocento. Formé en droit, en physique et en mathématiques, Alberti fournit avec sa De re edificatoria une des plus complètes théories architecturales de tous les temps, organisée en référence à Vitruve en 10 livres. Pour Alberti, l'architecture est au premier rang des arts, ce qu'il explique par son impact social, son service pour l'humanité. L'architecte est pour lui plus qu'un artisan. Je cite, « La main de l'artisan sert à l'architecte comme un outil. L'architecte est celui qui, à l'aide d'un plan magnifique, et sur la base de connaissances scientifiques, réalise une composition de corps architecturaux qui correspond au mieux aux besoins humains. Et plus loin, le plus grand objectif de l'architecture est de comprendre ce dont la société a besoin. Construire est une question de nécessité, construire de manière juste dépend de la nécessité sociale et de son utilité. Pour Alberti, il y a architecture s'il y a utilitas, voluptas et dignitas, qu'on traduirait par utilité, plaisir et dignité. À côté de son ambition sociale, Alberti introduit ainsi la notion de plaisir dans le discours sur l'architecture. Retenons donc que chez Alberti, il y a une relation à établir en architecture entre plaisir et utilité,
et que la notion d'utilité comprend à la fois l'utilité publique et la fonctionnalité de l'architecture. Au XVIIe siècle, deux nouvelles notions transforment la trilogie vitruvienne. Pour l'ingénieur et mathématicien François Blondel, professeur à l'Académie royale d'architecture, l'on appelle un bon bâtiment celui qui est solide, commode, sain et agréable. Et le physiologiste et pathologiste Claude Perrault, dont j'ai parlé tout à l'heure, traducteur de Vitruve et déclencheur de la querelle des anciens et des modernes, définit l'architecture par solidité, salubrité et commodité. La beauté dépendrait de, je cite, « l'aptitude que chaque partie a pour l'usage auquel elle est destinée ». L'usage devient alors pour la première fois une prémisse esthétique. Blondel et Perrault insistent alors tous deux sur l'usage du bâtiment qui doit être commode et introduisent une notion centrale pour la modernité, celle de la santé ou pour un bâtiment de la salubrité. Cette notion sera poussée plus loin au XIXe siècle par les mouvements hygiénistes qui, à partir de l'idéal de l'homme moderne sain, réclament une architecture et un urbanisme salubre, ce qui écartera de plus en plus la notion albertienne de plaisir. Alors nous voyons ici une critique de cette rationalisation de l'architecture formulée par Bernard Thuny, l'architecte du parc de la Villette à Paris, qui compare l'architecture moderne à des hôpitaux et reproche à l'architecture moderne d'avoir écarté tout plaisir, toute expérience sensuelle. Vous voyez sur la gauche, donc la Villa Savoie, bien sûr, une des icônes du mouvement moderne blanc que Thuny caractérise le bâtiment en tant que le bâtiment le plus rationnel parce que c'est la mise en œuvre des fameux 5 points de l'architecture, selon Le Corbusier. Et quand Thuny l'a visité ce bâtiment, parce qu'à droite, c'est une photo de l'intérieur de la Villa Savoie, il était très, très étonné parce que ce bâtiment était dans un état lamentable et il a dit que finalement cet état délabré du bâtiment a en lui provoqué quelque chose de sensuel. Du XVIIIe siècle, on retient deux réflexions sur l'architecture. Jacques-François Blondel qui plaide en opposition au rococo pour le grand goût de la simplicité. Et Marc-Antoine Logier, abbé littéraire, historien et diplomate, pour qui l'architecture ne devrait pas être soumise aux caprices de l'artiste, mais devrait être une affaire sociale et politique et par conséquent être au service du bien général. Dans son essai sur l'architecture de 1753, Logier raconte l'histoire de la cabane primitive, dont vous voyez ici une représentation, comme le début de l'architecture, une histoire qu'avait déjà racontée Vitruve, mais qui devient maintenant conceptuel, c'est-à-dire central pour faire projet. Quand on demande à quoi sert l'architecture, on pense d'abord à abriter l'homme, évidemment. La cabane primitive devient ainsi le support pour l'architecture classique et plus simple, ou comme l'a dit Logier, c'est en se rapprochant dans l'exécution de la simplicité de ce premier modèle que l'on évite les défauts essentiels, que l'on saisit les perfections véritables. Ça y est, vous me suivez toujours ? Ça va, c'est bon. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, les principes du mouvement moderne du XXe siècle s'annoncent avec ce que l'historien Aimé Kaufmann appellera plus tard l'autonomie architecturale des architectes révolutionnaires, notamment Étienne-Louis Boulay et Claude-Nicolas Ledoux, qui s'opposent strictement à l'enchaînement baroque. Dans son ouvrage Architecture, essai sur l'art, Boulay, disciple de Blondel, évoque cette fameuse phrase: vous qui voulez devenir architecte, commencez par être peintre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la représentation de l'architecture devient plus importante que l'architecture, que le bâtiment lui-même. Ou comme le note Boulay plus loin, c'est la production de l'esprit qui constitue l'architecture. Aujourd'hui, on dirait que le projet prime sur la construction. Alors la force de l'image, il s'agit bien d'une image ou d'un tableau, comme les a appelés Boulay, sont très très évidents, comme vous voyez ici, une architecture discursive qui n'est pas censée, bien évidemment, d'être construite. L'autre grand architecte néoclassique, Ledoux, à qui on doit les salines royales d'Arc et Senan, ainsi que les barrières fiscales de Paris, publie en 1804, soit 2 ans avant sa mort, sa théorie architecturale, l'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation. Alors ici, il ne s'agit pas, ça c'est une sorte de manifeste rétroactif, donc il ne s'agit pas de faire de la publicité pour des commandes, parce qu'il y a 2 ans de sa mort,
donc très vieux, et en plus en présent. Mais il s'agit ici pour trouver une place dans l'histoire de l'architecture. Et j'aime bien comment il représente ça devant la scène, il y a sa statue, etc. Pour nous, ce qui est à retenir de Ledoux, c'est son idée d'architecture parlante qui reprend la notion de caractère de Beaufranc et de Blandel. L'architecture parlante ne vise pas la fonctionnalité de l'architecture dans le sens de l'usage, mais à exprimer à l'extérieur la fonction de ses habitants, leur profession et leur statut. En gros, il s'agit de symboliser la destination d'un bâtiment. Vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire. Alors ici, c'est le projet qui dessine d'une cité idéale. Et bien évidemment, la maison des bûcherons prend la forme d'une cheminée. La maison des directeurs de la source de l'eau prend la forme d'un tuyau. Et je vous laisse deviner la fonction de ce bâtiment. Alors, Julius Posner, il a dit que l'architecture parlante devient ici une architecture bavarde. L'architecture parlante donnera toute l'ambiguïté à la notion de fonctionnalisme du XXe siècle, car elle n'a rien à voir avec l'idée de donner une forme adéquate à une fonction, ou comme l'a remarqué Francis Bacon au XVIIIe siècle, « Houses are made to live in and not to look on. Leave the goodly houses for beauty alone to the enchanted palaces of the poets. » Si en Italie, un certain Giovanni Battista Piranesi plaide pour une architecture éclectique effervescente comme produit de la subjectivité du génie, en France, Jean-Nicolas-Louis Durand, disciple de Boulez et professeur à l'École Polytechnique, prépare le terrain pour le fonctionnalisme moderne. Dans ses précis des leçons d'architecture de 1802, il répond clairement à la question « à quoi devrait servir l'architecture ?» Je cite, « à l'utilité publique et particulière au bonheur des individus, des familles et de la société. » Durand réduit la trilogie vitruvienne à deux notions, convenance et économie. Alors, vous voyez ici, il fait un tas de ce tableau-là, où il montre tous les éléments d'architecture possibles pour toute fonction du bâtiment. Le seul but de l'architecture serait la disposition la plus convenable et la plus économique des éléments de l'architecture. On ne parle d'architecture que quand c'est utile et économique. Toute décoration architecturale devient superflue, l'architecture devient une science. Mais il s'agit d'un fonctionnalisme très sec et schématique qui écarte entièrement tout plaisir qu'exigeait Alberti pour l'architecture. Alors, de Durand, c'est un pas vers la doctrine moderniste, et vous comprenez l'image que j'ai montrée au début, en quoi il y a le lien entre Durand et ce genre d'aménagement contemporain. Alors, de Durand, ce n'est qu'un pas vers la doctrine moderniste d'un Adolf Loos, Ludwig Riebesheim ou d'un Le Corbusier. Pour Loos, l'architecture n'aurait rien à voir avec l'art. Nur ein ganz kleiner Teil der Architektur gehört der Kunst an, das Grabmal und das Denkmal. Alles andere, was einem Zweck dient, ist aus dem Reich der Kunst auszuschließen. Pour Hilbersheimer, l'architecture devrait se réduire à l'essentiel. Réduction der architektonischen Form auf das knappste, notwendigste, allgemeinste, eine Beschränkung auf die geometrisch-kubischen Formen, die Grundelemente der Architektur. Pour Le Corbusier, en tout cas celui d'avant la guerre, l'architecture serait une science et la beauté un ordre mesurable. Fonctionnalité, économie, standardisation satisfont notre raison, tandis que la géométrie satisfait nos sens. Cet idéal rationaliste se projette aussi sur l'échelle de la ville et la table rase devient l'outil essentiel pour créer des terrains pour des plans parfaitement rationnels. Donc, comme ici, bien évidemment, pour le plan voisin Paris, que éventuellement vous connaissez, 1925, qui aurait bien évidemment rasé une grande partie de la rive droite de Paris, et vous voyez que son projet, bien évidemment, parfaitement rationnel, n'est absolument pas compatible avec les tissus historiques de la ville. Et aussi, ça c'est assez intéressant aussi, vous voyez en haut à gauche la typologie d'un immeuble villa qu'il développe déjà pour la ville contemporaine et plus tard aussi dans le plan voisin et qui devient plus tard l'unité d'habitation qu'il va construire plusieurs, dans les années 40-50. Et en fait, finalement, ce que je veux dire par là, c'est que l'objet il est déjà conçu dans les années 20. Il sera légèrement modifié et puis plus loin, adapté uniquement, parce que vous voyez ici le plan de masse, le plan de situation de l'unité d'habitation, adapté en tant qu'objet préconçu sur un site
bien évidemment en orientation est-ouest. Alors pour les modernes, la trilogie vitruvienne, Fermitas, Utilitas et Venustas devient structure, fonction, forme, et la forme devrait devenir une résultante de la structure et de la fonction de l'architecture. À partir de là, le fonctionnalisme aussi entre l'interprétation du rang et celle de Ledoux, entre un schématisme sec et une symbolique fonctionnaliste. Les postmodernes, pour qui l'architecture commence là où la fonctionnalité s'arrête, écartent l'économie de projet. Et bien évidemment pas l'économie en tant que maître d'ouvrage. Et ce projet explique pourquoi certains postmodernes ont proclamé la parole « form follows fiction ». Vous voyez toute cette entrée qui est... On peut se demander si la moitié des matériaux de ce projet sont utiles. Si Ludwig Mies van der Rohe, que vous voyez ici, dont vous voyez ici le fameux Secret Building sur la gauche, avait proclamé « less is more », Philip Johnson, dont on a parlé tout à l'heure, déclare « more is fun ». Mies n'était pas un fonctionnaliste, parce qu'il disait très justement que la fonction n'est jamais précise, on ne fait pas que dormir dans une chambre à coucher, on le sait tous, et qu'elle n'est jamais stable ou durable. Les fonctions ou usages évoluent bien évidemment dans le temps. Mais nous voyons ici clairement une différence entre ces deux bâtiments, entre à gauche l'une des icônes modernes et à droite l'une des icônes postmodernes. Le Secret Building pour lequel Johnson avait assisté Mies, et où Johnson avait jusqu'à la mort son agence d'architecture, n'était certainement pas un bâtiment bon marché, c'est clair. D'ailleurs, il se bat avec le maître d'ouvrage pour offrir une grande partie du terrain à la ville en tant que plaza. Mais la AT&T, en revanche, reprend les dimensions et la structure du Seagram, mais l'habille avec une enveloppe constituée de granit rose, ce qui fait que ce bâtiment était par mètre carré le bâtiment le plus cher de son époque. La critique des postmodernes envers le fonctionnalisme va volontairement et systématiquement mélanger les deux pôles, la symbolique fonctionnaliste et l'attribution d'une forme à une fonction, et les reprocher en bloc aux modernes. Ainsi, Robert Venturi et Dennis Scott Brown, qui plaident pour plus de complexité et contradiction en architecture et qui transforment le slogan muséen de « less is more » en « less is a bore », et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai lu récemment que Venturi il a dit que c'était une de sa plus grande bêtise d'avoir fait cette transformation et d'avoir allé sur Nice. Alors, les deux auteurs, Venturi et Scott Brown, distinguent dans leur Learning from Las Vegas de 1972, qui est sans doute un des trois plus grands ouvrages d'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle, l'architecture canard, que vous voyez à gauche, de la boîte décorée que vous voyez à droite, en associant le canard à l'architecture moderne. Donc finalement, c'est là, bien évidemment, c'est l'architecture parlante, c'est le restaurant dans lequel on mange du canard, et donc il est construit en forme de canard, alors que lui, eux, ils plaident pour le decorated shed, qui n'est rien d'autre qu'une boîte fonctionnelle devant une signalétique où on dit ce qu'on fait dans ce bâtiment. Alors je les cite les deux. We argue for the symbolism of the ugly and ordinary in architecture and for the particular significance of the decorated shed with a rhetorical front and conventional behind. For architecture as shelter with symbols on it. Alors, vous comprenez maintenant pourquoi je dis en introduction que certaines théories postmodernes diraient que ça c'est clairement de l'architecture. Alors, le panorama théorico-historique de l'architecture ou de définition possible de l'architecture nous a appris que, pour Vitruve, il y a architecture, si ça tient, si c'est utile, si c'est beau, et que l'utilité et la disposition économique et précise des espaces et des matériaux. Que pour Alberti, il faudrait trouver une corrélation entre utilité et plaisir. Que, par la suite, se cristallisent deux connotations du fonctionnalisme, l'une qui est plutôt symbolique, et qui a tout de même une force expressive et efficace et effective de l'architecture comme concept ou interrogation architecturale, et l'autre, rationnelle, qui va instaurer une relation directe entre fonction et forme. Et enfin, qu'il y a des cycles qui reviennent dans l'histoire de l'architecture, entre le baroque et le classique, entre le subjectif et le soi-disant objectif, entre l'éclat de forme et de matière, et leur réduction entre le plaisir de gaspillage et l'économie de projet. Et je pense que nous nous trouvons aujourd'hui clairement dans le passage de l'un vers l'autre. De ce panorama, je dégagerai trois postulats sur lesquels il me semble être astucieux de réfléchir. Le premier est celui d'un nouveau fonctionnalisme
qui ne prône ni une formalisation rigide d'une fonction, ni la symbolisation d'une fonction, mais qui poursuit une économie de moyens et la lie avec le plaisir de faire et de recevoir une architecture. Il faudrait que nous nous posions en tant qu'architectes, si c'est que la question, si c'est ce que nous faisons à chaque instant est vraiment utile. Arrêtons le more is more, les flagships architecturaux, les déperditions de moyens et de matières. La question centrale est pour moi si ce nouveau fonctionnalisme peut être hétérogène et jouissif. Produire des choses sublimes avec beaucoup de moyens, c'est déjà difficile, mais produire des choses sublimes avec très peu de moyens, avec les presque rien, c'est ça qui est le défi de notre temps. Deuxièmement, ce fonctionnalisme ne devrait surtout pas être hors contexte. Bien au contraire, le côté jouissif de ce nouveau fonctionnalisme passe par sa force de réenchanter les territoires dans lesquels il s'inscrit, peu importe s'il est urbain, suburbain ou rural. Mais non pas dans un sens contextualiste ou régionaliste, ni dans l'approche de Venturi de célébrer le laid et le kitsch. Ce nouveau fonctionnalisme devrait être capable de transformer le banal en sublime. Et enfin, troisième point, l'architecture devrait transgresser la séparation entre ceux qui produisent et ceux qui réfléchissent ou théorisent l'architecture. Les architectes, dont les œuvres sont parmi les plus convaincantes, sont ceux, bien évidemment, qui ont une grande culture disciplinaire et interdisciplinaire et qui arrivent à contribuer au grand débat sociopolitique de notre époque par ce que nous appelons projet. Je revendique notre force discursive qui, avec sa projection dans le futur, permet de lancer et d'orienter des débats. Mais cette posture nécessite également une grande empathie interdisciplinaire. Alors, je commence par le premier point. Alors, il est intéressant de voir ce que les architectes construisent pour eux-mêmes, surtout quand ils n'ont pas beaucoup de moyens. Le même Corbusier du plan voisin s'est construit à Roquebrune-Cap-Martin, son cabanon qui fait, bien sûr selon le modulor, 3,66 m par 3,66 m fois 2,26 m de haut. Dans une surface de 15 mètres carrés, Corbusier installe un coin repos, un coin travail, un coin toilette et un lavabo, et tous les éléments en bois ont été préfabriqués et montés sur place. Alors, pendant la recherche pour ce cours, je suis tombé sur cet appartement de l'architecte néerlandais Aldo van Eyck, un des moteurs du Tinten, qui réaménage entièrement cet appartement pour lui, à Amsterdam, pour lui et sa famille. Dans un volume qui fait 12 mètres de long et 6 mètres de large, vous voyez ici, 12 mètres de long et 6 mètres de large, il enlève l'ensemble des cloisons pour en faire un espace de 4 mètres de large qui continue depuis la fenêtre, la façade ici et la façade là. Donc sur toute la profondeur est flanquée de la chambre des enfants et d'une minuscule salle d'eau et de la cuisine. Et vous voyez qu'il sépare l'espace de bureau, qui est ici, de l'espace du salon par un rideau translucide et ici par un rideau gris foncé, l'espace de travail, de l'espace à coucher. Alors, c'est intéressant parce que Van Eyck, il a quand même pas mal construit par la suite. Et il a vécu tout de même 18 ans dans cet appartement de 72 mètres carrés, lui, sa femme et les deux enfants. Le client de son premier grand projet, l'orphelinat d'Amsterdam, était assis sur la planche en bois que vous voyez ici, qui repose sur cette structure métallique qui protégeait les enfants du poêle. Alors, un autre bel exemple, c'est l'atelier de Fry Otto. Son premier atelier, qui est une construction qu'il réalise avec très peu de moyens dans le jardin de ses beaux-parents, à la fin des années 50, c'est un cube de 5 par 9 mètres composé de deux volumes. Vous le voyez ici sur le plan, donc il y a un volume extérieur complètement transparent qui repose sur des petits poteaux métalliques et un volume intérieur avec un ruban fonctionnel ici et qui lui est parfaitement amovible. Il est entouré par des panneaux coulissants. Alors, il a créé ici donc ainsi un espace dans un autre espace qui désigne un tampon climatique qui peut être occulté ou pas, de manière flexible.
Alors, bien évidemment, alors là vous voyez une vue intérieure de ce bureau. Je pense que vous me suivez si je dis que ce n'est pas une question de style mais de posture. Regardez deux projets différents de Frei Otto, comme ici la Multihalle de Mannheim avec sa structure légère, et les Ökohäuser à Berlin, qu'ils réalisent dans le cadre de l'IBA 84-87, avec une structure assez lourde qui permet aux différents habitants, à qui on donne une concession de 75 ans, c'est assez intéressant, donc le terrain reste bien commun, la possibilité de construire leur propre maison. Et j'aime bien cette, j'adore beaucoup cette photo avec les différents habitants qui font leur maquette et Frei Otto qui est en retrait par rapport à ce projet. Je ne fais pas un clin d'œil au Pritzker, qui est la nouvelle de la journée. Les Ökohäuser réalisent ce que d'autres comme l'agence Site, James Wines, ont imaginé à peu près en même temps, comment réconcilier le commun avec l'individuel et comment rendre possible une densification de cet enjeu-là, comme vous le voyez ici. Alors, ouais, ça c'est le résultat des Ökohäuser. Alors, revenons maintenant au premier architecte que je vous ai montré, à Frank O'Gary, avec des matériaux très bon marché, bois, tôle ondulée, plexiglas. Il fait à la fin des années 70 une extension de sa maison. Donc, vous voyez au fond ici la maison, une maison typique avec les couleurs qui vont avec à Santa Monica. Et il fait cette extension que vous voyez ici, et regardez finalement l'objet qu'il crée absolument sublime avec si peu de moyens. Même s'il dira plus tard que « I wasn't trying to make a statement when I did my house, we had a kid, very little money and needed a bedroom », son projet devient une véritable déclaration, un statement, et sera exposé à la fameuse exposition des Deconstructed Architects au moment en 1980, co-organisée par un certain Philip Johnson. Alors, c'est vraiment magnifique cette maison. Et on peut bien évidemment se demander comment il peut en arriver là. Bien évidemment, il y a une généalogie formelle, mais beaucoup de critiques ont dit que, et je pense qu'ils n'ont pas tort, que c'est un des bâtiments les plus chers de notre époque. Et évidemment, pour la fondation Louis Vuitton, on peut dire qu'ils ont de l'argent. Mais... Alors, un autre exemple plus contemporain est l'immeuble d'Anne Brandlube à Berlin. Brandlube avait pratiquement fait faillite avec son agence à Cologne quand il a déménagé à Berlin. Il s'est séparé de son associé et il est allé à Berlin pour se reconstruire. Il a l'occasion d'acheter d'un promoteur immobilier qui a fait lui-même aussi faillite, ce terrain à la Brunnstraße où les fondations étaient déjà existantes, en plein milieu de Berlin, qui stagne à ce moment-là dans son développement en tant que ville. Il construit pour 1000 mètres carrés, pour 1000 euros par mètre carré, et vous savez ce que c'est, enfin les architectes savent ce que cela veut dire. Une galerie sur deux niveaux, donc ici il y a la galerie au sous-sol, on a une vue sur la galerie au sous-sol, qui se développe ici, je vais vous montrer une autre vue tout à l'heure, et ici avec deux bureaux, et puis deux niveaux qui sont composés de deux à trois logements. Alors vous voyez, vous êtes ici dans la galerie, et puis elle est complètement, elle s'ouvre complètement quand il y a des vernissages et d'autres événements. Alors comment il fait pour construire un bâtiment si bon marché et si séduisant? Il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de revêtement, il n'y a pas de béatrice, il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de parquet, il n'y a pas de moquette, il n'y a pas de chape. Il n'y a même pas de chape. Que du béton. Alors vous voyez ici, je vais vous montrer tout à l'heure une ambiance intérieure. Ce qui est intéressant ici, c'est cet escalier, qui est bien évidemment nécessaire en tant qu'escalier de secours, mais qui projette en dehors de la maison et qui est relié directement avec l'espace public. Vous passez, vous avez vu, vous passez là, c'est complètement ouvert, vous passez derrière et vous montez cet escalier. Donc les gens qui défilent devant les façades des bureaux et quand ils font des fêtes ou quand il y a un vernissage, il y a parfois des centaines de personnes sur cet escalier. Donc, Brandlube revient finalement à la culture de mon grand-père, qui est aussi architecte, et qui ne construisait, c'est mon père qui insistait toujours là-dessus, qu'en trois matériaux, uniquement trois matériaux, pas plus. Et vous voyez ici à l'intérieur,
qui est vraiment très confortable pour parler dans les catégories du XVIIIe siècle. Et je vous montre juste, parce qu'on peut en parler pendant des heures, mais je vous montre juste un détail qui explique très très bien cette posture. Alors là, normalement, quand vous avez du vitrage sur toute la hauteur, au quatrième étage, vous avez normalement, les architectes le savent, besoin de poser un vitrage assez cher, un vitrage feuilleté. Et lui, dans cette idée d'économie de moyens, il a mis un vitrage double, mais simple, pas feuilleté. Et donc, il faut mettre un garde-corps à l'intérieur. Le garde-corps, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il en fait? Il lit avec un banc qui est suspendu par ce garde-corps. Donc, il en crée un objet qui est juste magnifique par une contrainte économique. Alors, l'immeuble d'Anne Brandlouba à la Prunstrasse est devenu l'icône du Nouvel Berlin que l'ancien maire Klaus Wowereit a caractérisé comme âme à la sexy, pauvre mais sexy, et ce bâtiment est sans doute aussi pauvre mais sexy. Alors, un projet qui va dans la même direction, mais à une autre échelle et avec un autre programme, est l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, de Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, pour qui Frei Otto et notamment les Eucoresa sont la référence principale. Vous voyez ici, alors, ce qui est assez étonnant, il y a cette rampe qui remonte jusqu'en haut et qui dessert, c'est une rampe de parking, mais finalement est utilisée, bien évidemment, très très large, est utilisée aussi par les étudiants. Et les étudiants et les voitures peuvent, les usagers, donc, peuvent monter jusqu'à la toiture. C'est là où ils font aussi des rendus et des fêtes et tout type d'activités. Donc, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est ça, finalement, ce schéma-là. Vous voyez, ce qui est vert, c'était le programme, c'était l'espace programmatique, c'est-à-dire que c'est le programme qu'on a donné aux architectes. Et ce que vous voyez ici en bleu, c'est de l'espace qu'ils ont construit en plus, qu'ils ont offert en plus à cette école d'architecture, en restant dans la même enveloppe budgétaire. Donc, bien évidemment, cet espace n'est pas chauffé, il est froid en hiver et il est chaud en été. Moi, j'étais dans cet espace-là, en train de faire un jury il y a quelques semaines, et je peux vous dire que c'est assez intéressant. Donc, bien évidemment, les matériaux sont les moins chers, souvent industriels, le béton et le brut, sans aucune ambition de cabinage, des montants en acier galvanisé, des menuiseries standards, du polycarbonate, etc., etc. C'est de l'espace, donc, qui est à approprier par les étudiants selon leur manière. C'est un espace à eux. Donc, bien évidemment, cette idée-là, vous connaissez peut-être l'œuvre de Lacaton Vassal, qui s'applique aussi à d'autres types d'architecture. Alors, vous voulez que je continue, parce que je peux m'arrêter là, encore 10 minutes? Ça vous va? Très bien. Alors, le deuxième point pour une architecture du réenchantement territorial. Mon deuxième postulat concerne alors ce réenchantement territorial. Cela passe d'abord par deux postures. D'abord, aborder un territoire sans préjugés, comme l'ont déjà réclamé les Smithson ou Oswald Matthias Hummers, avec leur fameux S found, donc comment on a un regard sans préjugés sur un espace qu'on rencontre pour faire un projet, dans les années 70. Ensuite, travailler avec et non pas contre l'existant. Vous serez tous d'accord avec moi, je pense. Essayer de détruire un minimum, mais davantage réhabiliter, reconvertir, recycler, remixer, requalifier, bref, la question du ré, comme Paul de Fulich et ses collègues appellent leur conférence séminaire et colloque au casino, me semble étant essentiel pour nous, architectes, aujourd'hui. Et c'est un changement de posture important. Moi, je me souviens, quand j'ai fait mes études, on voulait tous faire des projets du nouveau, quoi. On voulait construire du neuf. Le travail sur l'existant était considéré ennuyeux, réduit à la rénovation, à la restauration, aux vieilles pierres, au patrimoine, cette notion nébuleuse et dangereuse. Mais il y a dans toute cette nouvelle scène, et pas que cette nouvelle scène, il y a de plus en plus d'architectes qui montrent que ce travail sur l'existant peut être très excitant. L'antivilla est un des exemples de cette posture de ré. Donc arrêtons de détruire les choses. Et vous voyez ici, l'antivilla, c'est quoi? C'est
Il y avait à Krampnitz, qui est entre Potsdam et Berlin, il y avait une usine de slip de la RDA, qui était un bâtiment assez délabré, et que Brandenburg pouvait acheter assez bon marché parce que c'est dans un territoire qui n'est pas très recherché, qui n'était à l'époque pas très recherché, qui a un lien quand même avec un lac, et qui était dans cet état-là. Donc on aurait pu, il y avait des promoteurs aussi sur l'achat de ce terrain, de cette maison, qui voulaient bien évidemment tous raser. Donc c'est dans la législation, on aurait pu le raser et reconstruire une maison de à peu près 100 mètres carrés. Et là, bien évidemment, ils gardent le bâtiment, ils créent en haut une toiture en béton qui est structurelle, qui lui permet d'enlever tout de ses grandes œuvres à l'intérieur, donc les cloisons, et de garder, au lieu d'avoir une maison de 100 mètres ou 150 mètres carrés, de garder plusieurs centaines de mètres carrés. Et il est allé avec ses étudiants et les gens de l'agence, et puis ils ont pris des perceuses, et ils ont ouvert des trous dans les façades. Alors, vous voyez ici, après, il y a tout un travail. Bien évidemment, ce n'est pas chauffé. Mais il y a trois espaces différents, c'est-à-dire qu'il y a un espace très très restreint qui s'organise dans la tradition de Zimper autour du four, un sauna et une cheminée, et qui fait à peu près 60 mètres carrés avec le lit, un espace qui est chauffé donc, par ces éléments-là, qui est délimité par des rideaux et qui est utilisable pour l'hiver. Alors qu'en printemps et en automne, on peut utiliser un peu plus de surface, donc il y a une deuxième couche de rideaux, et en été, on peut utiliser ces plusieurs centaines de mètres carrés. Alors, je vous montre aussi un de nos projets de l'agence. Donc là, c'est dans la banlieue de Paris, et il y avait une maison existante de 85 mètres carrés, et le reste du terrain était inconstructible. Donc il y avait plusieurs gens sur l'achat de la maison. Tout le monde voulait raser la maison parce qu'on pouvait juste rajouter un mètre tout autour, donc un ruban de un mètre, donc on aurait pu agrandir la maison à 130, 140 mètres carrés. Et donc avec un travail assez douloureux de conviction des services de la ville et le client qui a acheté finalement la maison avait 4 enfants, donc il y avait besoin de plus de mètres carrés que 85 mètres carrés. Donc on a pu convaincre de construire une extension, de garder la maison existante et de construire une extension de 250 mètres carrés dans la partie inconstructible qu'on a complètement intégrée. Donc il y avait un énorme tuyau autour duquel on a organisé la maison et on l'a parfaitement intégrée dans la topographie existante. Donc le réenchantement territorial peut bien évidemment aussi se passer à d'autres échelles, comme le montre cet exemple de la Ruhr et la décision d'installer notre université dans l'ancien site de Darbet était bien évidemment très bonne. Très rapidement, le dernier point. Je pense que c'est nécessaire que les architectes s'impliquent à nouveau de manière plus active dans les débats, en général et en particulier sur notre environnement construit. Et ce, non seulement avec des textes et des débats, mais aussi avec ce que Boulet appelait les tableaux. Donc je vous ai parlé rapidement de la force de produire des projets et des images qui font réfléchir autrement sur notre environnement et le développement de nos villes. Parfois, comme l'a fait Colas avec cette photo et son commentaire, donc vous voyez ici, il dit « ça m'a pratiquement brisé le cœur, c'était obscène de devoir imaginer de construire une ville ici, parce qu'il était face à ce terrain pour construire une ville nouvelle, la ville nouvelle de Mélin-Sénart. » Et donc, il montre ça dans son ouvrage SML-XL. Donc, parfois, c'est peut-être, il faut essayer de dire, c'est peut-être pas très intelligent de construire là. Il y a des exemples, il y a la Katonbasa qui l'ont fait, il y a Mendes La Rocha qui l'ont fait, il y en a d'autres qui l'ont fait. Et puis, ce collage, un autre exemple serait ce collage de Jacques Herzog et de Pierre de Meuron, qui va dans le même sens, mais qui montre aussi le danger des images, des architectes. Alors je vous l'explique rapidement. Après la chute du mur de Berlin, donc là on est en 91, après la chute du mur de Berlin, on s'attendait à des investissements énormes dans la ville de Berlin. On pensait qu'il y avait tous les promoteurs qui allaient urbaniser de manière accélérée toutes les friches, enfin toutes les villes de cette ville de Berlin. Et donc, ils savaient ça,
Herzog et Demeurant, et qu'est-ce qu'il propose? Et ce n'est pas un projet, c'est là où il y a le danger aussi de ces tableaux, c'est une image réflexive. Ils disent, on pourrait intégrer une grande partie de ces millions de mètres carrés auxquels on s'attend dans des tours de 1 km de haut, et en même temps qui protégerait le grand Tiergarten, ce grand vide. Donc c'est bien évidemment symbolique, c'est une allégorie pour protéger le vide de ce Berlin et de monter en hauteur, de densifier et en même temps garder des vides dans la ville. Bien évidemment, alors l'histoire malheureusement a montré que cette image était contre-productive parce que sur ça il y a eu énormément de critiques qui ont dit surtout pas de tour à Berlin. Et donc, on a développé un urbanisme assez homogène et horizontal. Alors, cette image-là, qui, elle aussi, est aujourd'hui très importante pour la reconfiguration de Paris, notamment dans le rapport entre les vieilles structures architecturales, les nouveaux quartiers et la nature. Et je vous montre, ça c'est l'avant-dernière image, que je vous montre, c'est une image de synthèse que nous avons fabriquée il y a 2 ans, qui montre qu'on pouvait aller au-delà de la querelle de Berlin entre, d'une part, la politique urbaine, qui voulait, alors ça c'est le grand site, c'est l'ancien site de l'aéroport de Tempelhof, cet énorme vide au milieu de la ville, et la politique urbaine voulait construire en périphérie seulement 3000 logements, et de l'autre côté, il y avait une grande partie des Berlinois qui voulaient garder ce grand vide au sein de la ville dans son intégralité, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient aucune nouvelle construction. Et c'est eux qui ont remporté la victoire au référendum, il y avait un vrai référendum pour cette question-là. Et nous, on a dit, et c'était une image qui circulait beaucoup et qui est toujours en discussion, bien évidemment pas comme un projet, mais qui montre, alors on l'a appelé Bikini Tempelhof parce que c'est un montage, on a superposé à l'aéroport de Tempelhof le Bikini House qui est très très connu à Berlin-Ouest, construit dans les années 50, qu'on appelle Bikini House d'une part parce qu'ils ont en effet vendu de la lingerie, mais aussi parce qu'il y a un grand vide au milieu, donc ce qui fait qu'il y a cette analogie avec un bikini. Et donc, on s'est dit, on pourrait construire une superstructure sur l'aéroport de Tempelhof, construire là-dedans les 3000 logements et dire qu'on garde tout de même le grand vide central à Berlin. Donc, c'est une stratégie, c'est une image qui montre que ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est et l'un et l'autre. Et donc, on avait dit, on pourrait, dans l'aéroport de Tempelhof, qui est toujours aujourd'hui vide, installer les infrastructures nécessaires. Et alors, je vous montre en dernier cette image, une réinterprétation des lieux centraux ou de la ville archipel et du presque rien. Merci beaucoup.